être récupéré à la station. À propos de ce que j'ai fait à Gouxiolan, il n'y avait pas d'autre choix. On devait arrêter les fuites. Je sais. Je sais aussi que les immortels ne vont pas apprécier qu'on ait buté le petit Go et amoché sa vilaine frangine. Kane dit qu'indépendamment de la vidéosurveillance, on se rend sur le site de la dernière mission de Taylor, l'épicentre de la tragédie. Le vieux bâtiment Coalescence. J'y crois pas. Tout est faux. Les images sont truquées. C'est pas réel. J'aimerais bien. Mais ça va plus loin que les meurtres de la station. Kane, dites ce que vous m'avez dit. Les infos volées se propagent tel un cancer et fragilisent les opérations de l'accord dans le monde. Ils connaissent nos points faibles et concentrent leurs forces dans les régions critiques. Admettez-le, Taylor est mouillé. C'est pourquoi on part enquêter sur sa dernière mission. L'alarme sous l'ancien complexe Coalescence. Peut-être qu'on y trouvera de quoi expliquer ses motivations. Et n'oublions pas les immortels. On en a buté un et amoché l'autre. Et croyez-moi, ils vont se venger. L'équipe de Taylor a répondu à un signal d'alerte prioritaire qui venait de plus d'un kilomètre sous l'ancienne usine de Coalescence. J'ai épluché les moindres informations et schémas disponibles. Ce qui se trouve là-dessous n'est sur aucune carte. La majorité de la structure a été détruite lors de la tragédie. La meilleure option est de descendre par le silo central. Merci, Kane. C'est précieux. Bon, on va suivre les traces de Taylor et on verra si on trouve des éléments de réponse là-dessous. Le drone de surveillance confirme des signatures multiples, en haut. Les 54i. Ils sont probablement déjà à l'intérieur. Sans déconner. On vient de voir des renforts arriver sur site. On aura du mal à rester discret.
Ennemis multiples en approche. Dispersez-vous. Il y a des 54i partout. Vaut mieux se faire discret. J'attends le signal. Le char devrait être une épave, et il est opérationnel. Le système défensif des ASP dévie les attaques. Désactivez-le temporairement avec un tir ciblé, puis visez-le avec un lance-roquette.
défensive de l'ASB sous son noyau. Faut viser son système défensif. On y est presque. Le système défensif est désactivé. Tirez avec un lance-roquette avant qu'il ne se réactive. Un tir parfait. Continuez de viser le système défensif. Ne vous arrêtez pas. Connectez-vous au panneau. Un simple piratage devrait faire l'affaire. On s'ennuie jamais, hein? C'est sûr. Cette journée est pleine de surprises. C'est rien de grave, c'est juste un vieux réflexe de programmation. Votre futur vous. Veuillez vous présenter à la réception avec votre groupe. Je vais nous faire entrer. Ces cadavres sont là depuis plusieurs jours. C'était sûrement avant l'attaque de la station classifiée. Ils portent la signature de Taylor, Hendrix ? Une seule balle en pleine tête. Ouais, mais soyons honnêtes et arrêtons de nous poser des questions qui n'en sont pas. C'est clairement l'œuvre de Taylor. La CIA les a envoyés ici pour s'occuper de ces fouineurs. Oh. Faites pas attention, Kane. Je suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui. Je capte un champ électromagnétique dans la zone. Comme une sorte de petit appareil électronique. C'est peut-être sur l'un des corps. Je l'ai. J'envoie les données. C'est intéressant. Les pillards ne sont pas venus par hasard. Ils ont été renseignés par le CDP. Activation du drone. Message reçu et compris, Hendrix. Je synchronise les données du drone sur votre ATH. Hey. Je sais bien que ça sert à rien de ressasser tout ça. On y va. Attention où tu marches. C'est plutôt haut. Je passe devant. La vidéo du massacre. Tu penses que c'était un montage ? Je connais Taylor depuis longtemps. Je vois pas comment il aurait pu faire ça. Peut-être qu'on s'est trompé sur son compte. Quand bien même. Ça n'explique pas Hall, Maretti et Diaz. Pourquoi ils auraient fait ça? On tira ça au clair, d'une façon ou d'une autre. Les ordures des 54e de l'avance. On fait quoi maintenant? Je crois qu'il est temps qu'on se présente. Passe devant. On te suit.
Vous essayez de nous envoyer dans un trou noir, Kane ? Je veux la même chose que vous, Hendrix. Mettre un terme à cette situation avant qu'elle n'empire. Attention où tu marches. C'est pas super stable. Kane, pourquoi les robots se comportent comme ça? C'est peut-être dû à une surtension. Cette surtension, c'est pas normal. Je gère la porte. Passe en dessous et avance. Au système du bâtiment pour contrôler les robots. C'est peu probable que les systèmes soient encore opérationnels après ce qui s'est passé. Et on ignore totalement ce qui se trouve là-dessous. D'après le drone de reconnaissance, elles viennent de là. Alors, quelqu'un veut parier $100 qu'on va tomber sur un truc merdique en bas? Non? Wow! Qu'est-ce que c'est? Wow! Wow! Hendrix, il vous cible! Ça n'a aucun sens. Qui est-ce qui contrôle ces robots? Je ne sais pas. Pas moyen de localiser la source pour l'instant. Je continue. Ok. J'envoie le drone de reconnaissance. On va bien voir jusqu'où va ce trou noir. C'est plutôt sombre par là. Je vous conseille d'activer la VA. Entendu. Plus vite. Le drone ne va pas nous attendre. Kane, on a perdu la transmission. Un problème chez vous? Négatif. Les plans s'arrêtent à l'étage du silo. Sans le drone, on est aveugle. Quelque chose a dû le désactiver. Continuez d'avancer. D'après les coordonnées GPS, l'alarme est devant vous. Kane, on a trouvé le drone de reconnaissance. Enfin, ce qu'il en reste. C'était sympa tant qu'il marchait. Attendez. Laissez-moi regarder ce panneau de plus près. Ça vous dit quelque chose?
Ça ressemble à un projet classifié de la CIA. Bon, si cette merde était là au moment de la tragédie, ils ont pas pu envoyer une équipe de nettoyage. Jusqu'à Taylor. Je crois que quelqu'un veut enterrer quelque chose. Les traces de sang mènent par là. Qu'est-ce qui se passe ici, Kane ? C'est quoi ce bordel ? Reste vigilant. Qui sait sur quoi on va tomber? C'est quoi ce délire avec les robots, Kane? Je n'ai jamais vu ce genre de comportement chez un robot. Ça ne fait pas partie de leur programme. Ils se sont affranchis de leurs paramètres de base. Ok. D'après le GPS, la source du signal devrait être par là. Pirate le panneau. Putain de merde. Hendrix, regardez ces panneaux de contrôle. Je peux peut-être extraire quelque chose des disques locaux. C'est bon, Kane. Vous y êtes. Ça ne devrait même pas être là. Les tests d'IDN sur les humains n'étaient pas lancés au moment de l'accident. Pas officiellement. Je pense pas que ces gars aient été volontaires. Ils sont tous reliés à un serveur central. Jed Young. C'était notre contact ? Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. S'il est mort, pourquoi... Pourquoi on a trouvé des gars de la CIA assassinés selon son mode opératoire ? Juste une minute, Kane. La CIA nous amène. Elle nous met en contact avec un inconnu. Et on se retrouve sur un site classifié de la CIA. Ça te paraît logique ? Brix. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas encore. Mais ouvre grand les yeux et les oreilles. Surtout avec Kane. D'accord. Tout va bien, Hendrix ? Moi et Kane, ça va. Ok. Je capte une activité réseau dans une salle de serveur, quelques étages plus bas. Hey ! Ça peut pas être une coïncidence. On y va !
C'est sombre par là. Activez la VA. Bien reçu. Je capte des radiations là-dedans. Allez-y doucement, ça risque d'affecter votre système central et votre VA. J'ai besoin d'aide pour monter. Je peux peut-être trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Il nous a ouvert la porte, Hendrix. J'ai rien ouvert. On a d'autres cobayes là-dedans. Ils sont dans l'eau! Kane, la VA est revenue. Bien reçu. Je capte une grosse surtension électrique devant vous. Ça grouille de robots là-dedans, Kane. Doucement. Prenez votre temps. Kane, j'ai été séparé des autres. On dirait que la salle du serveur est droit devant. Que ça ressemble de plus en plus à un complexe de recherche en armement qu'à un laboratoire biotech. Les produits chimiques libérés pendant la tragédie n'ont jamais été clairement identifiés. Je suis le seul à croire que ça a été étouffé. Sur nos mains ne peut pas être lavé. Vous savez qui je suis. Je vous demande de partir. Loin d'ici. Kane, j'entends la voix de Diaz sur un canal fermé. Taylor avait raison. On doit révéler la vérité au monde. Oh non. Il est relié au serveur. Il utilise son IDN pour transmettre toutes les données stockées ici. Il dirige les robots. Il contrôle leur intelligence synergique. Il va provoquer une surcharge de son cerveau. Écoutez-moi. Nous devons l'arrêter. Nous devons tout couper. Il est en train d'envoyer tout ce qui se trouve sur ses serveurs à nos ennemis. Nous devons régler ce problème. Diaz, tu dois arrêter ça. Ce qui t'est arrivé à toi et aux autres, tu dois y mettre un terme. Je suis prêt à mourir pour la vérité.
moteur et de détruire le noyau au-dessus de lui. Kane, je suis dans la salle de contrôle au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Accéder au système primaire pour moi. Si on maintient un gaz actif via votre IDN, je devrais pouvoir identifier les points faibles du noyau. C'est vous le boss, madame. C'est bon. Concentrez vos tirs sur les tours de refroidissement autour de Diaz. Ça exposera le point d'accès correspondant du noyau. Une fois ouvert, vous devrez monter dedans pour y larguer une grenade. Tour de refroidissement 1, exposée. N'écoutez que le son de ma voix. Tour de refroidissement 1, déconnectée. Noyau exposé. Laissez votre esprit se relaxer. Laissez vos pensées divaguer. Rapprochez-vous. Il faut placer un explosif directement dans le conduit exposé. Laissez les mauvais souvenirs s'estomper. Laissez la paix vous envahir. Allez, grimpez sur la tour centrale et jetez-moi une grenade à l'intérieur. Submergez telles les 12 vagues de l'océan. Laissez-les vous envelopper. Vous réconforter. On doit désactiver ce serveur. Faites sauter la tour de refroidissement. Imaginez-vous dans un lieu calme. Imaginez-vous dans un lieu sûr. Imaginez-vous dans une forêt enneigée. Vous vous trouvez dans une clairière. Tour de refroidissement 2 déconnecté. Le noyau est exposé. Les arbres autour de vous sont si hauts qu'ils touchent le ciel. Des flocons de neige d'un blanc pur tombent autour de vous. Jette une autre grenade dans la tour. Attaquer de tous les côtés. Je tiendrai pas longtemps.
La neige ne peut pas vaincre la chaleur de votre cœur qui bat. Tour de refroidissement 3, déconnectez. Vous l'entendez? Montez sur la tour et faites sauter le noyau. Vous l'entendez? Pour vous, ça ne durera pas, Kane. On le veut vivant. On n'a peut-être pas le choix, Hendrix. Vous l'entendez? Qui ralentit? Monte sur la tour et lance une grenade là-dedans. C'est vous qui le ralentissez. Vous avez le contrôle. Le calme. Lancez une grenade, Jackson. Faut stopper l'envoi des données. Un maximum de données de son IDN. Vous savez que ça lui grillera le cerveau. Je sais. Vous ne comprenez pas. Je connais ce type. Je me suis battu à ses côtés. Il n'a pas mérité de partir comme ça. Je suis désolé. Tout va bien, Hendrix. Je la vois. La forêt enneigée. Oh putain! Kane! Vous avez vu ça? Vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu, Hendrix? Il y a eu quelque chose? Hendrix! Taylor recherche deux survivants de la tragédie de Coalescence. Il a déjà quitté Singapour. Mais comment est-ce qu'il a pu partir? On ne trahit pas son pays sans se faire de nouveaux amis. Merde. On a de la visite tout en haut. Ce sont les immortels. Ils sont en bas, ceux qui ont tué mon frère. Oui, oui. Mes hommes sont en route. Est-ce qu'on a reçu l'emplacement des bases de la CIA? Oui, madame. Inondez tout. Mes hommes sont encore faites en bas. Faites tout sauter! Qu'est-ce que c'était que ça? Sûrement les nouvelles amis de Taylor. Hendrix, on a des explosions multiples dans tout le bâtiment. Vous devez sortir. On a compris. On se tire d'ici. Les 54 ils sont très nombreux en surface. Ils font sauter le bâtiment pour vous noyer. On met les bouchées doubles. Tout va s'effondrer. Go, go, go. Allez, plus vite. On n'a plus le temps. Allez, allez, allez! Commencez à scanner les survivants. Il faut savoir qui Taylor recherche. Je parcours le transfert de fichiers d'Hendrix. Ça devrait me prendre que quelques minutes. Parce qu'on va bientôt se noyer! C'est bon, je vais vous guider. Ouvrez cette porte et inondez le labo. Quoi? Vous êtes dingue? Pas si ça marche. Vos poumons devraient contenir bien assez d'air pour vous amener à la surface. Ok.
Mais si ça dégénère, je reviendrai vous monter, Kane. Merde, c'est bloqué. Je dois pirater le système d'ouverture, couvre-moi. Encore quelques secondes. Sortez-moi de là! Et maintenant, Kane? Au-dessus de vous. Je transmets à votre ATH, Hendrix. Faites sauter la porte. La pression de l'eau vous enverra directement jusqu'au silo. Avec moi. Une fois que j'aurai fait sauter la porte, la pression nous éjectera loin d'ici. On n'est pas encore tiré d'affaire. Attention, les grenades sous-marines foncent droit sur vous. Ne vous en approchez pas. Pas moyen de les contourner. On doit neutraliser ces explosifs. Ça va? Ça va aller. Kane? Kane? C'est pas bon. Diaz a transmis l'emplacement de toutes les bases de la CIA dans le monde, y compris celle-ci. C'est confirmé par le drone. Les immortels sont déjà en route. On ne peut pas les arrêter. Vous devez quitter Singapour. Accrochez-vous, Kane. On vient vous chercher.
J'ai pas l'intention d'en discuter. Tu sais qu'ils veulent qu'on vienne la chercher. Ils veulent qu'on voie les conséquences de nos actions. Ce sont pas nos actions, Hendrix. Quoi qu'ils fassent, ils sont responsables.